Salut les bricoleurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on se retrouve encore une fois dans notre salle de bain qu'on n'a pas encore terminée, mais ça avance. Je voulais directement parler d'un truc, c'est pour ça que j'ai ça dans la main. Vous avez été plusieurs dans la dernière vidéo à me dire et à s'inquiéter pour moi en me disant « Ah c'est con, t'as laissé une toute petite bande de carrelage sous la puits de fenêtre, t'aurais dû relever tes carreaux ». Et en fait, j'ai pas pu relever les carreaux aussi pendant mon calfinage parce qu'en fait, regarde, je démarre avec un petit et après on a 5 grands et l'idée on dit bah, si jamais tu avais relevé un petit peu ici tu n'aurais pas eu la petite bande sous l'appui de fenêtre. C'est vrai que j'aurais pu, mais regarde, je te disais, j'étais embêté avec mes interrupteurs et la prise qui vont être à côté du meuble vasque, parce que regarde, quand je vais mettre ma finition ici, en fait il me reste vraiment pas grand chose ici, tu sais, au niveau de l'interrupteur et de la prise. Je vais mettre le cache. Donc j'ai été tout juste. Et le petit bandeau de carrelage qui vient sous l'appui de fenêtre, finalement il ne se verra pas parce que l'appui de fenêtre va dépasser. Et de toute façon j'ai pris mon temps pour bien le découper. Et puis c'est passé comme dans du beurre. On attaque directement, on ne va pas perdre plus de temps. On va installer notre cuvette. C'est parti! Maintenant que notre cuvette est installée, on va s'occuper, tu vois ici à l'intérieur, d'ouvrir le robinet. L'important quand on a un toilette suspendu, c'est de pouvoir accéder à la plomberie. Donc moi, j'ai fait une petite armoire pour pouvoir accéder derrière. Mais en temps normal, l'idée, c'est de pouvoir tout murer et qu'on n'ait plus besoin d'accéder derrière parce que tout se fait par ici. On peut même changer le mécanisme de chasse d'eau, etc. par la trappe du mécanisme de chasse d'eau. Donc là, j'ai le petit robinet. Je l'ouvre. Voilà, donc là il est ouvert à fond, la chasse d'eau se remplit. Et là sur la trappe il est écrit les réglages à faire, je pense que c'est fait d'usine, mais les réglages à faire pour contrôler où s'arrête le niveau d'eau de la chasse d'eau. Donc on va contrôler ça, la chasse d'eau s'est arrêtée, tout va bien, on va pouvoir finir, hop, je verrouille. Et là si tu te souviens, j'avais reçu un mécanisme, tu sais, avec l'aspiration, donc on a un filtre à l'intérieur, je t'avais déjà montré, et c'était un mécanisme manuel, j'aurais dû mettre un bouton, sauf que j'ai vérifié. Ils m'ont envoyé le même en automatique, super simple, tu vois, j'ai simplement enlevé le manuel, je l'avais enlevé pour pas le salir quand j'ai fait le carrelage. Ici j'ai reçu le nouveau et il n'y a rien de spécial à faire, c'est exactement forcément la même taille que l'ancien, exactement les mêmes câbles, je vais simplement le reconnecter, récupérer les fixations. Je sais pas si tu l'entends à la vidéo, mais le ventilateur s'est mis en route. Donc après, tu peux faire des réglages, etc. Et tu vois, tu vas l'ouvrir comme ça pour pouvoir changer ici le filtre et les petites pastilles bleues que tu peux mettre directement là. Tac. Là, je mets les petits bitonios qui vont permettre au bouton de la plaque d'appuyer. Encore une fois, super simple. Et dernière étape, satisfaisante. L'installation de la plaque. La dernière étape, et c'est ce que j'aime beaucoup sur ce modèle, c'est que regarde. Donc, la plaque se dégage. Ici, hop, tu as directement le petit module avec le filtre qui se change. Ils disent à peu près une fois par an, a priori, ça dépend comment tu fouettes. Et l'application mobile te le dit quand il faut faire des entretiens, etc. Et le petit truc, c'est que regarde, il y a un petit support ici, tu vois. Et là, ils te fournissent des petites cartouches bleues pour, pour faire l'eau bleue, là, pour que ça sente bon. Et en fait, ce module, tu viens le mettre dedans, clac.
Et en fait, le petit truc bleu, il va se dissoudre et il va se mélanger avec l'eau du réservoir. Et ce qui va t'éviter de mettre des petits bazars là qui peuvent tomber et boucher tes canalisations. Et au moins, c'est plus pratique, tu mets pas tes mains dans ta cuvette, etc. Là, c'est directement là-dedans. Franchement, c'est bien foutu. C'est Géberit. Et bien sûr, on n'oublie pas le beau petit joint silicone autour de la cuvette pour que ce soit impeccable. Maintenant, on va s'occuper de notre tablette ici. Comme j'ai fait pour les appuis de fenêtre dans les chambres, on va acheter des planches de pin parce que le chêne, c'est trop cher. Ça fera bien l'affaire de toute façon. Ce sera peint en couleur menuiserie. Ça tiendra le temps que ça tiendra et ça tombe, ça tiendra tout le temps. Dans les chambres, on est content. Mais franchement, là, je vais pas commencer à claquer des trucs en chêne. Donc, nos tablettes en pin. Alors, j'ai pris ma fausse équerre. Et ce qu'on va faire, tu vois, c'est je vais la placer comme ça. Attends, je te filme bien. Je vais la placer comme ça. Hop. Et ça va me donner un angle. Pas forcément à 90 degrés. Il peut y avoir quelques différences. Ensuite, je prends ma longueur ici. Donc là, j'ai déjà prise, elle fait 131,3. Je refais la même chose de l'autre côté avec ma fausse équerre. Je reporte sur ma planche, on va faire ça on va ensemble. Et après, il n'y a plus qu'à découper. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Maintenant que la découpe de la tablette est faite, là derrière, tu vois, j'ai fait les petits arrondis dans l'angle. Voilà, on va prendre la fleureuse avec la petite fraise, tu sais, je t'ai déjà montré. Hein. Et on va pouvoir faire la face avant pour avoir un rendu nickel. On passe un petit coup de ponçage et on va tester voir si elle va bien dans son emplacement. Et après, on n'aura plus qu'à la peindre. Et voilà notre jolie tablette, c'est très bien comme ça, ça fit parfaitement, donc il y aura des petits joints que je ferai, des petits joints d'acrylique, parce que la tablette, je vais la coller, donc je ferai des petits joints pour être sûr que ça fasse bien propre, que ça fasse nickel, et il restera un coup de peinture à mettre, on sera nickel. Maintenant, on va passer aux joints de la douche. Allez, pendant que les joints de la douche sont en train de sécher, on va s'attaquer au petit meuble, tu sais, dans la niche que j'ai faite au-dessus du WC. Pour ça, vu que j'ai pas d'outils qui sont encore assez précis au niveau menuiserie, j'ai pas de scie sur rail, etc. Je suis simplement allé chez Leroy Merlin, regarde, j'ai fait un petit plan et j'ai demandé qu'il me découpe du mélaminé au millimètre près. Donc c'est tout simple, hein, j'ai fait un plan, ils me l'ont découpé et on va assembler ça tout de suite. Normalement, ça devrait rentrer pile poil dans l'emplacement de la niche. On fait ça tout de suite.
Et voilà pour notre petite niche, elle est sèche, elle est peinte, elle est nickel. Ce que je vais ajouter, je pense, c'est une étagère. Mais il va falloir que je me fasse un petit gabarit pour, tu sais, faire les trous, pour qu'elle puisse être réglable en fonction des produits qu'on va mettre dedans. Et chose aussi, je vais mettre quelque chose devant hein, pour cacher les choses qu'on va ranger à l'intérieur. Je pensais à un miroir, donc on verra un miroir forcément de retour qui s'ouvre. Voilà. Donc on fera ça plus tard parce que ça va dépendre du meuble qu'on va installer, de la couleur du meuble. Peut-être qu'on va rescanner la couleur pour pouvoir peindre ici l'entourage de la même couleur, etc. Enfin bref. Dans tous les cas, l'avantage ici, c'est que j'ai bouché le vide sanitaire, tu sais, parce qu'il y avait une colonne de froid, parce qu'elle va juste en bas, donc tu avais vraiment un courant d'air qui passait par là, donc c'est bouché. Ça nous fait aussi du rangement et ça fait une belle finition. T'as vu, dans cette vidéo, on enchaîne tous les petits projets pour essayer de finir un peu toute cette salle de bain. Et prochain petit projet, tu vois, on passe de l'un à l'autre. Dès qu'il y a quelque chose qui sèche, etc., on passe d'un côté et de l'autre. C'est le montage de la paroi de douche. Donc, je vais te le mettre en timelapse parce que je ne vais pas te faire un tuto pour ça. Ça dépend du modèle, etc. Il y a plein de montages différents, autant qu'il y a de parois différentes. Donc, je mets du timelapse, mais si je peux te donner un conseil, c'est pour percer le carrelage, t'emmerde pas à acheter des petits forêts, tu sais, les forêts que tu mets sur une visseuse, enfin voilà, t'achètes ça, tu vois, c'est les petits forêts diamants en M14 de mémoire qui se mettent sur la meuleuse, ça marche trop bien. Fais juste attention parce que je me suis fait avoir, tu sais, quand tu mets des baguettes de finition dans les angles, donc métalliques ou en alu, moi, si ça, ça tape dedans, eh ben, elle est morte en 2 secondes. Donc c'est le seul truc un peu embêtant qu'il faut faire attention, mais sinon ça marche trop bien, je m'emmerde plus avec d'autres forêts, les petits forêts spéciales coniques là pour les céramiques, je sais pas quoi, mes couilles ça marche pas. Donc je te conseille d'acheter ça, comme ça tu te prends pas la tête et ça va très vite. On s'installe la paroi, c'est parti. Voilà pour notre cloison, tu vois, j'ai même avancé un petit peu, tu vois, une petite applique derrière moi, on va en mettre une deuxième, on est en train de tester, j'ai mis des petits porte-manteaux. Enfin bref, j'ai même avancé sur la douche, j'ai commencé à installer la robinetterie. J'ai fait ça en off parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, parce qu'il n'y a rien de compliqué. Encore une fois, ça dépend de ton type de robinetterie, il y a des petites spécificités, mais bon. Je me suis dépêché à terminer la douche et à faire les petites finitions de cette salle de bain, même si tout n'est pas terminé, parce qu'on reçoit de la famille pour Noël et bah, ils pourront utiliser cette salle de bain, sera beaucoup plus confortable. Tu l'as compris, donc c'est la dernière vidéo de l'année. On continuera cette salle de bain l'année prochaine, donc début d'année. Tu verras, il y aura de petits changements dans la chaîne. J'espère qu'on va passer une bonne année, qu'il y aura beaucoup de projets. En tout cas, j'en ai dans la tête. Il faut qu'il y ait des sous-sous pour continuer à pouvoir les financer. En tout cas, je te souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année et je te dis à bientôt.